Ça, c'est cool que la caméra s'adapte automatiquement quand on est derrière un bâtiment comme ça, c'est tellement plus simple pour voir. Je vais décaler mon four à pizza du coup. Salut Tiag! Putain, on fait les clôtures et y a pas y va quoi. Franchement. Voilà, je vais juste faire ça comme ça. C'est déjà pas mal. Ah. Super, j'ai appris à éternuer. Je vais envoyer des grains de riz en éternuant. Ah bah bien, merci Théo. Je vais peut-être bouger l'arbre là. Je sais qu'il me reste des oranges dans un coin, mais ça me fait chier de manger des oranges parce que ça coûte cher les oranges, plus cher que mes pommes. Mais je crois pas qu'il y ait d'autres fruits de dispo, donc on va faire avec. Ah, indigeste, t'as reçu mon SMS? Regarde. Est-ce que tu veux ça? Et est-ce que tu veux une lampe à plasma aussi? Moi, je l'ai achetée pour moi, la lampe à plasma déjà. Mon bébé! Quand t'appuies dessus, elle s'allume et il y a les éclairs qui sortent. C'est trop stylé. Hop! Et je peux même faire autre chose encore pour toi. J'ai reçu un tapis ce matin de la part de Sahara. Enfin de Sarah, c'est en anglais qu'elle s'appelle Sahara. Je vais te montrer un tapis et tu vas me dire si tu le veux. Tiens, va mon bébé. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est vrai que je m'étais même pas connectée encore aujourd'hui, il faut que je check ma musique du jour. Tovaric Keke, je l'ai déjà, non? Oui, je l'ai déjà. Alors. Oui, Sarah comment s'appelle la girafe? Carla? Qui ont été rendues féminines par Nintendo America et du coup pareil par Nintendo Europe, mais qui à la base sont des hommes chez Nintendo Japon. C'est pas là les tapis? Ah non, les tapis, ça doit être. Bah, c'est là, oui. Est-ce que tu veux le tapis ésotérique? J'ai reçu ça ce matin, j'étais trop refait, c'est trop beau. Est-ce que ce OMG est un oui? T'en veux un aussi, Néméa? Très bien, je fais des commandes. Alors, Néméa, on va mettre un joli papier peint. Carte de cœur. Bon, j'ai la flemme d'écrire un petit texte. Et re y va. Un pour Néméa.
Un pour indigeste. Alors, je demande rien en retour, mais sachez que j'accepte tous les dons de clochette. Non, mais en vrai, non, je demande rien en retour, c'est cadeau, quoi. Vous m'avez fait tellement de cadeaux que... Iva, tu le veux aussi, le tapis ésotérique? Je sais pas si tu l'avais vu. Ou ça t'intéresse pas. Et j'ai aussi récupéré ça, regarde. Je sais pas si ça va t'intéresser. Alors, faut juste que je le retrouve. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça va être dans les L, lampe à plasma, je me souviens. Voilà, la lampe à plasma. Est-ce que ça t'intéresse ça? Tu vois, elle fait des petits éclairs. Est-ce que tu veux une lampe à plasma? Ah. Ça t'intéresse. Mais ouais, c'est trop bien. C'est trop bien ces lampes-là. On parlait table hier et en fait la petite table avec la mini nappe, tu l'as pas. Ah, t'as pas le plan de cette table-là? Oh, c'est bizarre ça. Hop, je vais t'envoyer tes trucs indigestes. Le bac d'évier et la lampe. D'ailleurs, regarde, on était en pleine période clôture. J'ai mis des clôtures autour de ma maison. J'espère que ça te plaît, Iva. On n'a pas fini de poser des clôtures. Il m'en reste encore 30 à poser. Il va ranger sa tasse à café dans sa poche. Il va se brûler, le con. J'ai jamais utilisé cette carte encore. Ah. B. B comme Bibi. Ça va mon bébé? Oh oui, hein. Oh oui, c'est bien là. Animal Crossing, c'est le genre de jeu qui nous fait nous lever tôt pour récupérer pour récupérer des objets à la con. C'est quand même beau. Ah oui, en ce moment, l'UF. Mais moi, j'irai farmer l'UF cet après-midi. On fera ça ensemble en stream. Ce sera hyper répétitif, les gens, je préviens. Donc si ça vous intéresse pas, je comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Alors, les clôtures.
va mettre une clôture autour du musée. Ah, mais je me trompe de touche. L'anémone, je vais la mettre derrière la mairie. Alors par contre, placer les clôtures, ça nique le potentiel de reproduction de fleurs, mais bon, hein, Marie, elle veut des clôtures, alors je lui fais des clôtures. T'as des robes indiennes, trop bien. Je crois que j'en ai déjà une, j'ai pris un sari une fois. C'est bien, mon auréole, elle brille dans le noir. Alors là, elle est en train de s'endormir, la tête en arrière sur mon bras. Elle est dans une position tout à fait ridicule, c'est trop mignon. Ah, zut. Ah, il m'en manque une. Marie, est-ce que c'est bon? Bah moi j'ai des cosmos rouges mais je peux pas les envoyer par la poste telles qu'elles sont, j'ai pas de graines de cosmos donc du coup ça marche pas. Je peux pas t'envoyer les pieds de cosmos. Puis j'en ai pas beaucoup non plus. Plus de trucs à poser dans la nature. Plus de trucs à poser dans la nature. Très bien. Faudra que je crafte des conneries. Non, bah y a pas de nouveaux trucs. Y a pas de nouveaux permis. La piscine, le phare, le manège, j'ai. La parabole, je crois pas que j'ai. Le panneau solaire, j'ai l'éolienne, j'ai tout ça. Mais non, pas si clochette. Voilà. Thank you.
La boutique change pas. Si elle évolue au bout de 30 jours, j'ai vu des gens qui ont des boutiques Méli-Mélo qui ont une autre gueule que celle que j'ai. Mais après, si c'est toujours les mêmes. Mais il y a eu un jour où j'ai eu des jacinthes en graines et j'ai jamais eu de jacinthes en graines, donc je m'interroge. Bon, je vais finir de mettre des clôtures quand même autour du musée. Puis après, je saurais plus où les mettre, moi, les clôtures. Il faut dépenser 70 000 clochettes. Ah, moi, je croyais que c'était au bout de 30 jours. C'est peut-être les deux, hein. Tu parles du distributeur. Ah oui, le distributeur. Oui, non, ça, effectivement. Ouais, non, ça... Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de toutes ces clôtures? Si j'en mets là, je vais plus pouvoir passer, sauf si je bouge l'arbre. Je suis coincé. Ouais, c'est pour ça que j'essaye d'acheter régulièrement chez eux, ouais. Et voilà, j'ai placé des clôtures. J'espère que Marie est contente. Voyons voir, dans mes objets de craft, qu'est-ce que je pourrais faire pour décorer l'île? Peut-être faire un feu de camp, je sais pas. Mettre des étendoirs à linge partout. Des cordes à linge. Je mettrais bien ça à nouveau, j'en referais bien une deuxième de ça. Je vais en refaire aussi, tant qu'à faire. Oh, puis je vais poster des petits flambeaux à droite à gauche. J'ai déjà mis des petits pots partout. Après, c'est plus que des œufs. Donc, il faut du bois, du bois, du bois, du bois, des branches, du bois. Ça va péter mes réserves de bois. Ah non, mais faut vraiment que tu te reposes, hein. Mais tu m'écoutes pas. Je sais pas si j'en ai besoin, mais je le prends quand même. Ah bah heureusement, ouais, tu m'étonnes. Alors, je vais en faire une, deux, trois. Je vais en faire cinq. Cinq flambeaux.
Donc là, j'en ai 5, si j'ai bien compté. Bah ça, je vais en faire que 2 parce que j'ai plus assez de branches d'arbres. Ça marche ton test, on te voit indigeste. T'avais un souci avec Twitch? Ça, je vais en faire 2. Ça, je vais en faire 3. Donc 1. Deux. Et 3. Nickel. Alors, flambeau, balancelle, flambeau, 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 ok. Mais j'ai mes 5 flambeaux. Corde à linge, hop. Et là, c'est des abris à oiseaux. Ok. Est-ce que je peux mettre un flambeau là? Oui, et ça me gêne pas pour marcher. On l'allume naturellement. Balancer les cordes à linge. Cordes à linge, je pense pas que j'ai la place d'en placer une vu la position de mes arbres et des maisons. Quoique je peux en mettre un ici. Je vais mettre cette clôture, ce bout de clôture derrière. Voilà. Et je vais mettre la corde à linge ici. Je vais mettre un petit abri à oiseaux ici. Un petit flambeau perdu au milieu de nulle part. Une rangée de feuillus. Ah, Bourricot, il perd pas de temps. Lui, il va direct sur la balancelle. Est-ce que je peux foutre un flambeau ici? Oui. Les petits flambeaux cachés.
On va mettre un petit arbre, un petit abri à oiseaux ici. Hey Fims, how are you? Ah, that's nice if you're good. Small headache, but it's nothing out of the usual for me, so let's say that I'm fine. Un petit flambeau du pif. Il me reste un flambeau et un abri à oiseaux. Le petit flambeau caché. Et voilà. Oh bah non, qu'est-ce qui t'arrive? Avec qui elle s'est brouillée? Ok, donc là il faut booster les commerces. Bon bah j'imagine que ça se fera avec le temps, ça, de booster les commerces. Mais déjà on est à 4 étoiles depuis hier, et ça c'est chouette quand même parce que c'est un objectif que je voulais atteindre. Je me suis pas occupée de mes bambous. Allons les frapper. Ouais, je suis passé 4 étoiles hier. Grâce à de nombreuses clôtures et de conneries sur le Nook Shop. Mais il faut parler à Marie régulièrement, elle te dira ce qu'il faut pour que l'île se développe plus. Là, moi par exemple, là il faut que je booste mes commerces, donc idéalement il faudrait que la boutique Méli-Mélo grandisse quoi. Après, je sais pas si le nombre de ponts et de rampes compte dans le calcul des points de l'île. Je sais pas du tout si ça joue. J'ai 5 rampes et 3 ponts. Je sais pas si ça joue sur les étoiles ou pas.
Ah bah dans Animal Crossing, le but du jeu c'est toujours plutôt personnel, ça dépend de ce que tu cherches à atteindre. Moi en ce moment j'essaie d'atteindre les 5 étoiles sur mon île, mais le but du jeu c'est juste de jouer comme t'en as envie, pendant aussi longtemps que t'en as envie, y a pas vraiment de... À part améliorer son île pour qu'elle ait 5 étoiles, ou déjà 3 étoiles en passant par là. Y a pas vraiment de gros but en soi, c'est juste tu joues et puis tu t'amuses, tu chilles dans ton coin, tu fais ça pépouze comme on dit. Voilà. C'est toujours comme ça les Animal Crossing, c'est tu fais comme tu le sens. Allez, c'est parti pour une session de secouage d'arbres parce que je voudrais me refaire un petit stock de bois. Ah bah j'avais des pommes encore de disponibles, j'aurais pu manger les pommes plutôt que mes oranges. L'arnaque. Mais après ça parle pas forcément à tout le monde. Ça parle pas forcément à tout le monde. C'est pas un type de jeu qui va plaire à tout le monde. Certains font leurs objectifs très rapidement en accélérant le temps. Et puis après, quand ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, ils laissent un peu le jeu de côté. D'autres, comme là, il y a plus d'options de customisation, vont chercher à customiser leur île le plus possible. Il y a vraiment plein de choses difficiles, donc difficiles, possibles, je veux dire, pas difficiles. Le jeu est vraiment fait pour chill. Chirac is not amused. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Ah, les pommes. Parce que j'ai pas mangé les pommes. Ah bah t'as pas de bol indigeste, dis donc. Ah, je savais qu'elle allait casser. Il me faut quoi pour refaire une hache normale? Branche d'arbre, pierre, puis bois. Je peux plus passer par là. Mais attendez. Oh, j'ai du courrier. Mais non. C'est bon, je peux passer. Voilà, comme ça fait un petit pas. Voilà. J'ai fini. A envoyé.
Une paire d'escarpins en vinyle. Nice. Moi aussi j'ai une boîte de mouchoirs. J'ai même une boîte de mouchoirs et une boîte de mouchoirs que maman a envoyée. J'ai deux boîtes de mouchoirs. Attention, ça rigole plus. Qu'on a dit du bois et après des cailloux. Normalement, j'ai assez de branches pour en refaire. Je peux en faire qu'une seule. Je vais retirer des branches de bois. J'ai besoin d'en faire deux parce que si je fais tous les arbres, on n'a pas fini. Tu comptes poser tes mouchoirs à côté de ta pile de dojin. Oh, mais... J'ai pépé. It is really comfy, it is really chill, you can do whatever you want, you can play however you want, and the craft system is really nice. The music are good. For me, it's just pure pleasure. Since I was waiting for a new Animal Crossing since New Leaf. So it's been 8 years since I've waiting for a new Animal Crossing game. So I'm very very happy to be able to play a new one. And it's really chill, but you kinda have to be in the mood for this game. It's not gonna be a game that everybody likes. Monsieur is a curse word. Monsieur, I don't know what monsieur means. T'as toujours pas de cuisinière. Ah, oiseau. Ah, ok, oiseau. Why is it a curse word? Oiseau is nice. It's cool. There's just too many vowels, yeah. It's one of those words where there's a ton of vowels and you kinda don't know how to pronounce it when you're not French. Ancient Greek, oh no. J'ai eu de la chance d'échapper au grec ancien parce qu'il ne le proposait pas dans mon collège, mais je me suis quand même farci de latin.
Mais même la classe de latin, on n'était pas assez, ils ont dû l'annuler l'année d'après parce qu'on n'était pas assez nombreux. Ah non, mais le latin avec ses déclinaisons, déjà que j'arrive pas à les déclinaisons normalement, alors le latin avec ses déclinaisons, puis après il y a eu l'allemand avec ses déclinaisons, puis l'italien aussi qui a des déclinaisons, et j'étais là, je fais stop! I like most of my villager. Let me show you. Condor, I want him to leave my island. I don't like him, even though he's wearing a luchador mask. I don't like him. I want him to be gone. Axel is cool. Theo is very cool too. Kolala, I want her to leave, but she doesn't want to leave. But I need her to leave ASAP. Sorry. Aurore is very cute and her home is very very cute. All with a frost thematics. There's like big snowflakes in her house, and the wallpaper and the ground are all ice, so it's really really nice. Mystigris is really cool, I love her. Buriko is cute and he's lazy, and I love lazy characters, so I love him. Olympe is very cool too. Gonzo, I was kind of skeptical at the beginning, but he's grumpy and I kind of like grumpy villager, so I kind of like him now. And Kiki is cute. Any cats is cool. Je vais pas faire toute l'île, hein, je vais juste faire une partie. Oups. Je vais juste faire la région basse de l'île, ce sera plus simple. Je vais pas faire les hauteurs. Stardew Valley! Yeah, I've played Stardew Valley and I even made a small playthrough. But I didn't play Stardew Valley since the new updates, so I miss a tons of new contents. Like for example, I didn't know that now the villager can have 14 hearts. Last time I played, there were only 10 hearts. I heard there are new scenes, there are new fruits, new places, new fish to get. So I kind of have to come back to Stardew Valley. I need to come back to Stardew Valley, but I need to be in the mood for it. Otherwise, it's gonna be a pain in the ass. It's gonna be not that much pain, but I might get bored soon if I'm not in the mood to play this game. It's kind of weird, but I'm really depending on my mood. But I love Stardew Valley, and the music are really cool. Everything in this game is cool, and yeah, I have to come back to this game one day. Yeah, I saw that Concerned Ape did a straw poll. And they were like, do you want either banana trees, star fruit trees, and I don't remember the other two. And I was like, wow, that's so cool. Mangue, it's the same. Mango is mangue.
So it's kinda close. Heureusement que je sais que tu parles de ton chat Twitch, parce que si tu dis mon chat est remords, c'est un peu bizarre. Bon, on est pas mal au niveau bois, on va continuer. On rééquipe le filet par sécurité, on sait jamais quand les guêpes peuvent pop. Right now, what I'm doing is kind of boring. I'm just checking trees to see if there's any wasps in it. And I'm kind of farming woods too, so... It's not really that interesting, and I'm sorry for that. Son chat est peut-être mort. On verra quand elle reviendra, je lui reposerai la question. Eh, salut Huguenot. Donc ouais, indigeste, Iva, elle te demandait ça vient d'où ton pseudo. Mais ton chat, il était mort à ce moment-là. Et moi, je disais, heureusement que je sais que tu parles de ton chat, parce que si tu parles de ton chat qui est remort, ça faisait un peu peur. À la base, son pseudo, c'est Dieu. Attention. Je peux l'appeler Dieu Sissi. Un dit Dieu. Dieu, c'était trop court. Oh. Wow, tous ces arbres et pas une guêpe. D'indigeste. Dieu digeste. C'est rigolo d'indigeste.
Et là, vous allez voir, j'ai oublié de checker un arbre et c'est là où vous allez voir les guêpes. Ça drop le plan pour une ruche. Eh ben, je savais même pas que ça que ça existait. J'allais dire indigeste. Il va a l'air vachement OP pour ça, donc je. Si tu veux, je te laisse le plan. Tu m'en crafteras une pour voir. Ah, je veux bien que t'en craftes une, ouais, pour voir à quoi ça ressemble, mais t'as déjà envoyé deux courriers aujourd'hui, donc il faudra attendre demain. Qu'est-ce qui est vert et qui bouge sous l'eau? Shrek! Merci. Bob Razowski. Les petits poissons verts. Un chou marin. J'aime bien. Ah bah si l'abeille coule, et ben il faut lui mettre une bouée. Comme ça elle coulera plus. C'est ce que ma maman elle dit quand je dis j'ai le nez qui coule, elle me dit faut lui mettre une bouée. Ah mais moi j'adore ce genre de vanne, hein. Franchement. Mais oui. Eh hey, tu veux une bouteille de cristalline? Staline! Mais pourquoi tu cries? Bah tu m'as dit cristalline. Ou alors tu fais quelque chose et puis tu dis j'ai pas crié gare. Puis tu répètes, bah je fais bah oui, j'ai fait machin sans crier gare. C'est comme les cadeaux pourris. Mais c'est qui I? Bah je sais pas, c'est un cadeau pourri. Ah non, mais ça, t'en avais mal au ventre à force de rire, c'est parce que tu décompresses de l'UF. Tu vois, tu te fais du mal. Mais tu m'écoutes pas quand je te dis de faire une pause. Je vais te couper d'internet. Je vais casser ton téléphone, plus de 4G. Puni. Le
Le pire que t'as eu, c'est ta sœur qui parlait de trucs de scandinave et son copain qui s'est mis à faire inav, 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 inav. Ah oui, non mais ça, les gens qui vont brûler des antennes 4 ou 5G, là, je sais plus, non mais c'est ouf. Parce que ça, soi-disant, répand le coronavirus. Non mais... Ah bah oui, vague et verge. Oh regardez, tous en train de boire leur petit thé, ils sont pas mignons. Mais tu peux même pousser la blague plus loin. Tu peux dire, quand tu dis vague, eh ben tu peux dire vague, 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 vague. Ça fait 10 vagues. Ah bah ça je te laisse faire, Diverge. Moi j'ai pris la version safe. Verger, 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 verger. Ouais, genre t'es pure et innocente, ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu peux me rappeler quel genre de bouquin ton copain du Japon va te ramener là? C'est pas tout à fait vrai, hein. Non mais bah oui, bah justement, l'abeille qui coule, elle fait un flop, c'est normal, elle est en train de se noyer, donc... Si, moi je l'ai vu... Ton sous-marin russe. Qu'est-ce qui vit à 3 mètres sous terre, qui a 6 pattes, 8 yeux et qui mange des cailloux? Shrek. Plusieurs Shrek. Si seulement il pouvait vivre sous terre, dans une petite boîte. Et ben voilà, le seul arbre que j'ai pas checké et je me suis trompé d'objet. Voilà.
Voilà, le seul arbre que j'ai pas checké. Je savais qu'il allait avoir une. Je le savais. Je savais que j'avais oublié de check un arbre. Un manche-caillou. J'irai acheter un remède. La flemme de le craft. Je savais que j'allais manquer un arbre. Putain. RT. Qu'est-ce qui a 3 yeux, 6 jambes et 5 pieds, une main et deux têtes? Oh là là! Des pirates qui ont été amochés par des créatures marines. Bon alors c'est quoi la réponse? Ah, tu sais pas non plus mes cours. Ok, j'avais pas vu la réponse. Je te parle uniquement pour récupérer un plan. Putain, Kolala qui se veut gentil, qui m'offre un remède. File-moi le plan que tu craftes. Une robe pomme. Sinon, je serais juste rentrée et repartie, mais là, elle était en train de bricoler un truc, donc du coup, je suis obligée de rester. Obligé de taper. Obligé de parler à Kolala. Ouah. C'est pas très joli. En même temps, ça vient de Kolala, alors... tu peux en avoir jusqu'à 10 sur l'île, mais le nombre total de villageois qui existent, il y en a genre beaucoup trop. Bon, je vais pas faire l'autre rive, je pense que là j'ai bien formé mon bois, mais on se met bien. Je sais que les paquets de cartes amiibo vont jusqu'à 500. Mais ça, c'était avant New Horizon, donc je sais pas s'il y a des nouveaux villageois en plus. Mais il n'y en a pas forcément 500 piles, parce que dans les 500, il y a des cartes qui se répètent. Par exemple, il y a des cartes de Marie en double ou en triple. Il y a des cartes de Tom Nook, il y a des cartes de personnages que tu peux pas avoir en tant que villageois. Donc il y a moins de 500 villageois. Si, il y a eu une collab avec Hello Kitty, ouais. J'ai vu un streamer qui avait le poster Hello Kitty avec Animal Crossing.
Ah là, c'est un peu mieux niveau bois déjà. Le bambou, j'ai une masse de réserves. Par contre, ouais, il va falloir que je me refasse des stocks de pépites de fer et de cailloux parce que ça a bien diminué, ça par contre. La réponse, c'était un manche cailloux. C'est quoi l'article phare du jour? Miroir plain-pied en bois. Ça demande du bois et une pépite de fer. Non, c'est mort. Bon, bah moi je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure pour du GBF. Ce sera farm sur fond de Music Weeb, comme d'hab. Mais pour Animal Crossing, aujourd'hui, c'est réglé. Si tu creuses un trou de 1 mètre de diamètre qui traverse la terre de part, en passant en son centre, que tu lâches un caillou au-dessus du trou en son centre, il se passe quoi? Eh bah, ben, il reste au centre en train de léviter autour de du centre de gravité de la terre. En vrai, je sais pas. C'est un caillou qui terre-terre. Donc du coup, ouais, les gens, des bisous, bon appétit, et puis on se retrouve normalement cet après-midi pour du GBF time. Ce sera l'heure de farmer un petit peu. Et puis voilà, des bisous, bon appétit et à tout à l'heure.